Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car comme vous pouvez le voir avec la date, nous sommes au 22e jour alors que la dernière fois on était au 80e. Voilà, alors du changement, parce que oui effectivement je me suis encore fait exploser par un creeper, c'est ma grande habitude. Creeper, hop, wouhou. Alors, je disais, encore une fiole funeste lâchée par cette île à joie. Et je ressortais tout juste de cet emplacement. Vous voyez de quoi je veux parler. Hein, une chambre d'essai. Et, ah oui, donc maintenant, quand on tue les villageois, et en l'occurrence le chef, on n'a pas automatiquement le mauvais présage. Donc on n'est plus obligé, mais j'aurais pu le faire, d'aller chercher du lait pour se sortir de ce mauvais présage. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on boit un petit coup de lait et plus d'effet de poison, plus d'effet de mauvais présage, et on peut revenir au village tranquillement. Alors en fait c'est ce que je m'apprêtais à faire en ressortant de cet emplacement là, hein, vous voyez où j'ai commencé à creuser, parce que comme j'ai pu échanger avec un cartographe de mon village, j'ai récupéré cette carte et j'ai pu découvrir, donc pas trop loin du village, le nécessaire pour pouvoir redescendre dans... Hop là, c'est bon. Pour pouvoir redescendre dans une chambre d'essai et pour pouvoir vérifier les nouveautés de la dernière snapshot. Alors, ah oui, c'est vrai. Il est resté là, lui. Il est resté scotché ici. Bon, ça tombe bien. Je vais retourner le voir. Donc voilà le petit village où je me suis établi. J'ai spawné pas très loin d'ici. Quoique, non, je dis ça, mais en fait, non. Non, j'ai spawné assez loin et finalement je suis arrivé en bateau. Je crois que mon bateau il est resté là-bas. On va aller faire un petit tour pour aller voir ça. Alors, on va récupérer un petit peu ici. Comme vous pouvez le voir, je commence à être plutôt bien équipé. J'ai trouvé pas loin d'ici, voilà, par là-bas. J'ai creusé, hein, tout bêtement, tout en bas pour arriver au plus bas possible. Et en remontant, en creusant un petit peu à droite à gauche, en écoutant les bruits faits par les mobs, j'ai réussi à trouver un coin sympa. Avec malheureusement pas beaucoup, hop là, avant qu'ils se mettent invisibles, vite. Viens là toi, voilà. Oui, je te prends ça, je t'en prends une. Ah, t'en as qu'une. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Enfin, demain. Hop, alors ici, ça avance pas. Mais je vais voir ça tranquillement. Donc, je disais, je vais aller vous le montrer. Je suis tombé sur un coin super sympa. Et ça, je crois que je ne voulais pas montrer dans des vidéos. Hop, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais non, c'est pas vrai. Oh, mais il y en a qui sont pas doués. Hein. Allez, sors de là. Voilà. Il va falloir mettre de la mousse ici pour qu'il sorte de là tranquillement. Ouais, quand il est coincé dans l'eau, il est coincé dans l'eau, lui. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc, des axolotes, normalement il y en a 3. Cause bazar, il n'y en a plus qu'un. Ils sont où mes axolotes? C'est pas vrai. Bon, il y en avait 3. Ils me les ont fauchés eux là? Sérieux? Bon, allez, on passe là-dessus. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, ça se passe par ici. Donc là, je suis dans une partie où, j'explore les profondeurs.
avec un maximum, oui, je crois que c'est là, un maximum d'échelle, et pour finalement en fait trouver mon bonheur, pas par ici, là il y a une géode, mais plutôt par là. Ah, une araignée qui traîne dans un coin. Hop là. Voilà, mon chat est toujours là. Je l'ai entendu. Je le vois pas, mais je l'ai entendu. Si, c'est bon, il est là. Hop, on redescend ici. Et là, si je ne dis pas de bêtises. Oh, mais chaque fois, même toujours besoin de me faire toucher. Au moins une fois, c'est pas drôle. Voilà. La cave. Avec à nouveau des axolotes. Bah, ils sont là, hein, les axolotes. Ils sont revenus par eux-mêmes. Oh, il est joli, hein. Ouais, par contre, j'ai plus beaucoup de choses, plus beaucoup de place. J'aurais dû faire le vide avant de venir parce que je voulais récupérer ça. Non, ça marche pas. Ça se détache et ça tombe. Quoi? Oh non, mais c'est bon. Bon, on va pas prendre les axolotes maintenant parce que je suis pas équipé pour. Mais je reviendrai ici. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est pas ça que je voulais. Je voulais essayer de récupérer des lianes qui tombent, qui descendent là. Mais il me faudra peut-être un équipement spécial. Un petit coup de toucher de soie, éventuellement. Voilà, donc ici, j'ai fait le plein, vous vous en doutez, avec un maximum d'argile, ce qui m'a permis de faire évoluer énormément mes villageois. Wow! Ce que je n'ai pas pour l'instant, ce sont des loups. Et pourtant, j'ai ce qu'il faut en os. Oups là. Donc, je vais prochainement repartir à la recherche de quelques loups. Et vu les biomes aux alentours, je pense que je vais chercher des loups des neiges. Donc, pour rappel, hein, les loups des neiges, ils ne sont pas blancs. Le loup blanc, c'est le loup pâle et c'est le loup un peu classique, on va dire. Là, je pars sur la recherche de loups noirs ou bruns. Ou alors blancs, mais avec des textures grises. Alors, hop, j'ai de quoi manger un petit peu, oui. Voilà, je voulais juste vous faire visiter, hop, le secteur avec les axolotes, la cave. Je suis assez heureux d'avoir réussi à bousiller le petit groupe villageois là qui était là. Et bah, le prochain épisode, ça va être soit la recherche des loups, soit la descente dans le... Oui, la descente. Direction la chambre des épreuves, histoire de renouveler un petit peu les dernières aventures qu'on a vécues. Hop, ça me fait flipper, mais non, en fait, il n'y a personne. On est tout bon. Il faut que je fasse un lit. Oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut maintenant. Hop, hop. Et on se débarrasse de tout ça. Voilà, le lit, c'est tout bon. Qui c'est qui dort pas là? Je vais peut-être aller faire un tour pour voir si quelqu'un a besoin d'un lit. Ça grogne. C'est ici. Toi, t'es pas heureux. Tu veux ton lit? Bon, bah, je vais vous mettre un lit. Ouais, bah, c'est bon. Est-ce que ça le fait? Ouais. Bon, ça veut dire que cette maison-là, il va falloir l'agrandir.
Pour qu'ils puissent s'installer tout cela. Hop. Allez, je termine ça, je me fais mon lit à moi. Et oui, aussi. J'ai besoin de me faire. Ah, je vais peut-être me la faire comme ça d'ailleurs, tiens. Raté. J'ai quand même besoin de ça pour faire le coffre. Oui, c'est ça. Je vais me faire deux coffres. Et je pensais aussi me faire. Ah bah non, j'en ai pas. Je pensais avoir du cuir, mais en fait non, j'ai aucun élément de cuir. Bon bah c'est pas grave. Mais j'ai pas de couleur non plus. Allez, on va prendre un petit peu de rouge. Avec ça, on doit pouvoir faire du rouge. Oui, c'est bien ça. Voilà, comme ça, j'ai mon lit rouge. Ça nous rappellera de bons souvenirs. Voilà. Bon, bah donc, cette nouvelle partie recommence. Encore une, vous allez me dire. Mais effectivement. Mais, comme je le dis à chaque fois, je repars dans les conditions les meilleures possibles. Et j'espère juste ne pas mourir trop vite. Non, il faut que j'arrive à battre le record de la dernière fois. Record. Il y a certains joueurs qui doivent se dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, record. Ouais, t'as fait 80 jours. Voilà. Allez, comme ça, on est pas mal. Ça va être ma petite maison. Avec, bah, j'aurais bien aimé mettre donc la carte de chambre des épreuves au mur, mais ça sera pour une prochaine fois. En attendant, je la mets par ici. Voilà. Mais écoutez, c'était une toute petite vidéo, toute simple. J'entends une araignée, mais je sais pas où elle est. Ça m'énerve. Ici, il faut que je me fasse un petit escalier pour pouvoir monter tranquillement. Je pense que ça va se faire avec ça. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures. En espérant ne pas recommencer tout à zéro trop rapidement. Ah zut, oui, j'oubliais. Donc pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Hein, j'ai pas fait beaucoup, beaucoup d'échanges. J'ai récupéré cette pioche uniquement bah, avec le marchand, là, vous venez de le voir. Donc pour l'instant, mes villageois sont plutôt chiches au niveau des partages. Donc j'espère que ça va évoluer un petit peu. Voilà. Allez, sur ce, à très bientôt. Salut!